Monsieur Mourad Proye, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler des hydrocarbures, relever les défis d'hier après l'appropriation des richesses enfouies dans le sous-sol avec la nationalisation des hydrocarbures. Ce fut un 24 février 1971. Celle d'aujourd'hui, les défis ou ceux d'aujourd'hui, c'est d'augmenter les rendements et améliorer les performances du secteur. Faut-il dans ce cadre-là tout revoir, revoir l'approche stratégique actuelle qui consiste à exploiter juste le potentiel existant? Les deux puits, Hassim Mermen et Hassim Soud. La question qui se pose pour nous, c'est que nous disposons de ressources en hydrocarbures. Hein. Ces ressources sont en train de s'épuiser non pas parce que le potentiel n'est pas là, mais parce que les investissements il y a 15 ans n'ont pas été faits. Parce que on a manipulé de manière intempestive la législation pétrolière. La conséquence a été que l'image de notre pays a été brouillée vis-à-vis de l'industrie pétrolière internationale, et donc ça a découragé. On a vu les appels d'offres successifs. Qui ont été des échecs. En fait, la législation de 86, la loi 86-14, qui protégeait la souveraineté, qui était attractive en même temps, a été modifiée en 2005, puis à nouveau en 2006, puis à nouveau en 2013, et donc l'image a été brouillée. C'est une industrie où on n'aime pas trop qu'on touche le cadre juridique, parce qu'il y a suffisamment d'incertitudes et de risques géologiques, géopolitiques, financiers, commerciaux dans l'industrie pétrolière pour qu'on en ajoute encore avec les changements intempestifs de loi. Donc, il s'agit de répondre à l'évolution de la demande. Nous avons une demande gazière, par exemple, qui est une consommation de 46 milliards de mètres cubes et qui a explosé carrément et qui menace les exportations. Elle a augmenté de 53% depuis 2009. C'est excessif. Ça ne correspond pas à la production de richesses. Nous avons une intensité énergétique, c'est-à-dire la consommation d'énergie par rapport au PIB, par rapport à la création de richesses, qui est deux fois supérieure à celle des pays de l'OCDE, c'est-à-dire deux fois supérieure à la France, aux États-Unis, aux... Nous consommons deux fois plus d'énergie pour produire une unité de richesse. Ce qui est inacceptable. Mais si on se réfère à certains chiffres qui ont été communiqués déjà, puisqu'il n'y a pas beaucoup de chiffres sur cette question, monsieur Mourad Proye, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que par rapport au ministre sortant du secteur, il avait indiqué que notre production en 2020 avait régressé ou baissé de pratiquement 8%. Est-ce que cette baisse de production qui est aujourd'hui visible sur les marchés internationaux, puisque nous n'arrivons pas à atteindre les quotas que nous avions par le passé, à savoir 1 500 000 barils jour, nous sommes à peu près à 800 000 barils jour, c'est un grand quand même décalage, une grosse baisse. Est-ce que c'est dû essentiellement aux investissements qui n'ont pas été réalisés en amont depuis 15 ans? Est-ce que c'est lié aussi à la loi de 86-14 qui était beaucoup plus attractive, on a dû l'amender? Ou est-ce que c'est lié aussi à des questions de vision, de stratégie et de management? C'est-à-dire que c'est une industrie de long terme. Le pétrole, les hydrocarbures sont une industrie de long terme. Ce que vous n'avez pas fait il y a 15 ans, vous en subissez les conséquences aujourd'hui, c'est un effet mécanique. Ok ? Donc, on a ralenti l'investissement dans l'exploration-production, hein, et on a surexploité les gisements. Et voilà l'explication de la baisse de la production.
Un gisement comme Hassermel, le gaz, c'est la pression qui fait monter le gaz. C'est rien d'autre que la pression. Et lorsque vous sortez un mètre cube de gaz à la pression de 100 bars de Hassermel, vous devez, lorsque vous, rentrez, vous sortez 10 mètres cubes à la pression de 100 bars, vous devez remettre, vous devez prendre ce qu'il y a, ce qui accompagne ce gaz, c'est-à-dire du GPL, du condensat, les liquides qui sont avec le gaz, et puis à peu près la moitié de ce gaz, il faut le comprimer au-dessus de 100 bars et le remettre dans le gisement pour maintenir la pression du gisement. Parce qu'il n'y a que la pression qui peut faire monter le gaz. Or, on a réduit. Et ça, c'est inacceptable. On a réduit la quantité de gaz qui devait être réinjecté dans les gisements. De Hassem, qui a souffert. On a mal négocié le contrat de Gasetoil. Et le Gasetoil devait arriver, les volumes de gaz de Gasetoil devaient arriver en 2009. Ils ne sont pas arrivés. Et c'est Hassem qui a compensé. Ces volumes, qui a remplacé ces volumes qui ne sont pas arrivés. Bon, Hassermel a été malmené. Il décline, et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que ce déclin est irréversible. Sonatrach est en train de faire des études de réservoir engineering, de génie du gisement, de géophysique, etc., pour mieux comprendre la situation actuelle, l'état actuel du gisement, et apporter les remèdes. Bon, le boosting, la phase 3 du boosting est arrivée. Tout ça fait qu'il y a un effort, il y a une action pour soigner ce gisement qui a beaucoup souffert. Hassim Saoud également, le gaz qui devait être réinjecté dans le gisement, comprimé, réinjecté, a été dirigé vers l'exportation. C'est inacceptable tout ça. Et c'est normal que non seulement vous investissez pas, mais vous malmenez vos gisements. Mais on est face à une situation de surexploitation des gisements actuels qui sont arrivés pour certains experts en hydrocarbures à leur limite. Qu'est-ce qu'il faudrait? Revoir toute la stratégie, aller vers l'exploration du potentiel qui est encore dans le sous-sol, qui n'a pas été exploité. Monsieur Prat, qu'est-ce qu'il faudrait? D'abord, chauffer. On part d'une feuille blanche. On se dit, nous avons tel volume de production qui nous permet de satisfaire la demande interne et qui nous permet d'exporter pour financer l'économie nationale. C'est-à-dire, le point de départ, c'est cela. Premièrement, la demande interne. Est-ce qu'il est raisonnable qu'elle soit à ce niveau? Chaque mètre cube de gaz qui est consommé aujourd'hui et qui peut être économisé est un mètre cube de gaz qui peut être exporté ou qui peut être transformé. D'accord? Donc premièrement, Sonatrach est en train de subir la pression de la demande interne. D'abord, il faut la satisfaire. Quand vous allumez votre cuisinière le matin pour faire votre café, vous attendez à ce qu'il y ait du gaz dans la cuisinière. Vous n'avez pas de. Quand vous vous arrêtez dans la station-service pour faire le plein, vous n'avez pas de doute à ce que on vous fasse le plein dans. Bon, et tout ça, il faut que en amont, Sonatrach assure. Maintenant, demain. Et après-demain, et après-demain, comment ça va se passer? Parce que la croissance de la demande, j'ai dit, le gaz, la demande a augmenté de plus de 53%, c'est-à-dire plus de la moitié, depuis 2009. La demande pétrolière, vous voyez nos concitoyens gaiement sur l'autoroute de Ben Aknoun en train de brûler du carburant, et en train de souffrir des embouteillages. Tout ça, c'est de la richesse qui peut être économisée. Donc, premièrement, revoir complètement le modèle de consommation. Réduire la demande, orienter
Pourquoi le monde est en train de s'orienter vers l'électromobilité, vers les voitures électriques, etc. Et pourquoi nous avons des voitures qui consomment 20 litres au 100, 15 litres au 100, etc. et 10 litres au 100, etc. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, bon, c'est que la valeur des hydrocarbures est en baisse en 2020, moins de 10 milliards de dollars de revenus par rapport à l'année précédente. C'est dû essentiellement à la baisse, bien sûr, de la demande et de l'offre au niveau de la demande. Au niveau international, en raison bien sûr de cette pandémie, nous avons le volume global des exportations d'hydrocarbures a atteint 82,2 millions de tonnes équivalent pétrole, TEP, en 2020, pour une valeur de 20 milliards de dollars, soit une baisse respective de 11%. Comment peut-on aujourd'hui augmenter ces rendements quand on sait qu'on est tributaire à 98% seulement des recettes d'hydrocarbures, monsieur C'est-à-dire que la crise, le choc baissier de 2014... Mais il y a eu déjà des chocs précédemment. Non, mais attendez, le choc baissier de 2014 nous a mis face à une vérité, à savoir la baisse de nos volumes. Mais est-ce qu'on Auparavant, on n'en était pas conscient, parce que les volumes, les exportations baissaient, mais cette baisse des exportations a été corrigée par des prix du pétrole qui étaient élevés. Dès lors que les prix du pétrole ont baissé, nous, on s'est aperçu qu'en fait, notre production est en train de baisser. D'accord ? Donc, ce n'est pas cette baisse de la production n'a pas été amorcée hier. Elle a été amorcée quand le prix du pétrole était à 100 dollars le baril. Et nous, on ne s'en est pas aperçu. Donc, premièrement, il n'est pas normal qu'on soit dépendant des fluctuations du marché. Le marché est convulsif. C'est un cheval fou. Et il n'est pas normal qu'on soit accroché à un cheval fou. Nous étonnons que les prix du pétrole soient descendus. Vous savez, il y a une année, les prix étaient négatifs en avril. C'était à moins 37 dollars. Nous sommes à une année d'un choc violent encore que le marché pétrolier avait encaissé. Aujourd'hui, les prix montent, et aujourd'hui ils sont de 65 dollars le baril. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que c'est un niveau qui est robuste? Je ne le pense pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a le froid, la vague de froid au niveau des États-Unis, au niveau du Texas, qui a arrêté 40% de la production américaine. Et il y a aussi les pays de l'OPEC+, des pays de l'OPEC et les 10 pays autour de la Russie, qui ont réduit leur production de 7 millions de barils par jour. Mais justement, c'est une réalité. Les prix ont augmenté en raison de cette vague de froid qui touche les États-Unis et qui a poussé à l'arrêt un peu de sa production. Mais sur le plan international, est-ce qu'on est resté aussi compétitif, monsieur Prat? Oui, vous savez, le marché pétrolier est un marché global, mondial. C'est-à-dire, ce qui n'est pas le cas tout à fait du marché du gaz, qui est un marché régionalisé. C'est-à-dire que le gaz, le pétrole se transporte partout à travers la planète, d'accord. Donc le prix, le pétrole algérien, la molécule, la tonne ou le mètre cube de pétrole algérien, il se fond indifféremment dans tous les flux pétroliers qui sont l'objet des transactions à Londres ou ailleurs dans le monde. Hein. Donc le problème n'est pas, nous sommes compétitifs, notre pétrole est un pétrole léger de 44 degrés API, c'est l'un des plus, peut-être même l'un des, le plus, le meilleur en matière de qualité. Bon, le problème c'est que nous ne sommes pas compétitifs, pour répondre exactement à votre question, en matière de volume. Nous n'avons pas les moyens de déployer d'importants volumes aujourd'hui, parce que nos installations ont besoin d'être reprises en main, ont besoin d'être parce que nos installations, nos gisements ont souffert. Mais le potentiel du sous-sol algérien
est un potentiel intéressant. Alors, M. Molat-Prin, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Vous avez dit que nous ne sommes pas super fortement compétitifs par rapport au volume qu'on peut mettre sur le marché, mais nous sommes compétitifs par rapport à la qualité de notre pétrole. Mais est-ce que ce pétrole, on devrait aujourd'hui inverser la tendance? Au lieu de l'exporter en matière brute, le réimporter en matière transformée, est-ce qu'on ne pourrait pas encourager la transformation en Algérie, notamment pour ce qui concerne la pétrochimie, le carburant? Pour répondre très rapidement, parce qu'il faut, être très clair avec les auditeurs, la pétrochimie nécessite de grands volumes, d'accord. C'est-à-dire que le marché national, clairement, le gaz, dans le gaz il y a de l'éthane, dans le pétrole il y a du naphtha. Lorsque l'on craque à la vapeur, dans des vapocraqueurs, l'éthane ou le naphtha, on obtient pour l'éthane de l'éthylène, pour le naphtha ou le propane, du propylène ou du polypropylène. Pour que le coût de production d'une tonne d'éthylène soit compétitif, hein, il faut des tailles d'usines qui dépassent le marché national. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une pétrochimie d'exportation, hein. Premièrement. Deuxièmement, l'industrie mondiale de la pétrochimie, elle est oligopolistique, c'est-à-dire qu'il y a quelques entreprises qui la détiennent et qui détiennent les procédés. Donc il faut un partenariat international pour construire des complexes pétrochimiques world scale, de taille mondiale, hein, et pour accéder aux marchés mondiaux. D'accord. À partir de là, vous produisez du propylène ou de l'éthylène, mais que vous n'allez pas vendre dans les supérettes. Donc en clair, sur notre ne peut pas le faire seul, et il faut qu'il y ait une chaîne en aval de transformateurs qui vont ensuite produire à partir de l'éthylène, ou là du propylène, ou là du polypropylène, ou là, qui vont produire des produits et qui vont valoriser. Mais est-ce qu'il faudrait penser à le mettre en place dès maintenant, cette politique, On n'a jamais... En 2010, on comptait investir 10 milliards de dollars dans la pétrochimie. Dans les années 73, il y avait le projet pétrochimique. Dans les années 70, la plateforme pétrochimique de Skikda, qui n'a jamais vu le jour, qui a été arrêtée. Hein. Donc c'est un vieux... on revient toujours sur cette... Mais il faut bien comprendre que la pétrochimie... Nous ne pouvons pas la faire seule. D'abord, c'est coûteux. On est en dizaines de milliards de dollars, hein, donc ce n'est pas des petites sommes. Deuxièmement, ce sont des technologies captives. Troisièmement, c'est un marché captif. D'accord. Voilà donc pour la pétrochimie. Maintenant, la question plus fondamentale qui doit être posée, c'est que... De Gaulle disait, l'expression était de De Gaulle, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées. Hein. La puissance pétrolière de la France, qui a 3 gouttes de pétrole en Aquitaine, ou la puissance pétrolière de la Grande-Bretagne, dont les gisements britanniques de la mer du Nord sont en déclin, elle vient de BP. La puissance pétrolière de la France vient de Total, qui est cinquième mondial. Pourtant, ils n'ont pas de pétrole dans leur sous-sol. Et là, la question fondamentale, puisqu'on est dans on célèbre le 24 février, c'est que les compagnies pétrolières nationales sont le grand acquis de l'histoire militante des pays producteurs. L'Algérie a marqué l'histoire militante des pays producteurs avec la nationalisation de 1971. Mais la nationalisation n'a aucun sens si vous n'avez pas une compagnie nationale qui va valoriser, qui va produire, qui va être le vis-à-vis des compagnies internationales. Donc la question qui se pose, c'est que le mouvement général historique pour les producteurs, c'est les producteurs ont créé des compagnies nationales. La première qui a été créée, c'était la Pemex en 1938. Ensuite, silence radio jusqu'en 1953, où Mossadegh en Iran avait nationalisé les hydrocarbures et créé la compagnie nationale iranienne.
puis création de Sonatrach en 1963, mais la véritable naissance de Sonatrach, c'est en 1971, lorsqu'elle a pu disposer, lorsque les femmes et les hommes de Sonatrach, hein, ont pris en main les gisements qui ont été abandonnés par les installations de production, par les techniciens français, suite aux nationalisations. Maintenant, le futur, la puissance pétrolière de l'Algérie et gazière, elle réside dans Sonatrach, qui doit être un leader énergétique, qui doit pouvoir rentrer dans l'arène parmi les grandes compagnies qui vont façonner le paysage énergétique de demain, qui vont mener vers la transition énergétique. Si vous voulez que l'Algérien qui va naître en 2021 et qui aura 30 ans en 2051, si vous voulez qu'il puisse circuler dans une automobile et avoir le chauffage et le confort et tout ce qu'on veut, il faut repenser complètement notre politique énergétique et placer Sonatrach au cœur de cette politique énergétique. Mais justement, par rapport à Sonatrach, comment opérer cette transformation et faire de Sonatrach leader pétrolier à travers le monde? Il faut que Sonatrach s'appuie premièrement sur l'université et la recherche. Récupérer les centres nationales. De formation. Hein. Il faut qu'elle s'appuie, il faut que les articulations entre Sonatrach, l'université, la recherche nationale, les entreprises nationales, privées, publiques, il faut que l'articulation soit considérée comme une question stratégique nationale. Sonatrach, parce que l'industrie pétrolière devient une industrie de blouse blanche aujourd'hui. Les casques et les bottes, c'était hier. Aujourd'hui, c'est des laboratoires, c'est les compagnies pétrolières, c'est par la maîtrise de la science et de la technologie qu'elles s'imposent. Hein. Donc c'est une question qui est essentielle. Donc comment l'université de Ouargla, l'université de pour le pétrole, l'université de Lorouat, de Hadrar, pour le gaz, ne sont pas des leaders mondiaux dans ces technologies. L'université de Doran, pour la cryogénie, pour le GNL, pour le gaz naturel liquéfié, l'université d'Alger, l'université de Batna, il y a une question qui se pose. Nos compatriotes qui sont dans le sud ne sont pas voués à être agents de sécurité ou chauffeurs. Alors, nos collègues ingénieurs et docteurs d'État qui sont à Sonatrach, à Hassermel, à Hassim Saoud, ils rêvent d'avoir une carrière universitaire dans les universités des wilayas. D'accord, donc il faut complètement repenser le modèle. Il faut que Sonatrach soit appuyé par l'État pour aller conquérir des positions en international, détenir des réserves en international. Intégrer la chaîne gazière en Europe pour défendre nos parts de marché, accéder au client final en Europe, lui vendre des mètres cubes de gaz, des kilowattheures pour défendre nos parts de marché qui sont contestées par le Qatar, par les États-Unis, etc. Être présent là où il y a l'intérêt algérien, puisque est-ce qu'il faut aussi être plus offensif sur les marchés existants en investissant par exemple le marché spot, puisque aujourd'hui nous ne vivons ou ne survivons que grâce aux contrats à long terme. C'est contraint et forcé que nous allons vers le marché spot du gaz naturel. On n'a pas le choix. Parce que le marché européen est devenu un marché de court terme, orienté par les logiques de court terme spot. Alors que nous avions notre commerce avec l'Europe fondé sur des transactions de long terme avec clause de take-or-pay. Aujourd'hui, c'est un marché de court terme qui devient très compétitif. Alors bon, il y a le Qatar avec ses 77 millions de tonnes de capacité de liquéfaction. Nous en avons 24. Les États-Unis avec 105 millions de tonnes qui arrivent. Maintenant, les logiques spot de court terme sont des logiques spéculatives, c'est-à-dire que le prix est là où il rebat tous les jours.
Mais justement, par rapport à ces prix spéculatifs qui montent et qui descendent tous les jours, est-ce que parallèlement à ça, la formation dont vous avez parlé, les universités qui doivent être existantes au niveau, bien sûr, de nos gisements pétroliers, est-ce qu'au niveau international, former des traders au niveau international pour défendre les parts du marché algérien sur les marchés spot? Il faut former des traders. Il faut gagner une excellence dans le trading. Mais la question n'est pas là. Le problème, c'est d'accéder, parce que nous avons un pouvoir de négociation vis-à-vis de l'Europe. Nous avons des gazoducs, nous avons une histoire avec l'Europe. Donc, la proximité aussi. Nous avons la proximité avec l'Europe, tout à fait. Nous avons le potentiel, et ils savent que nous avons le potentiel. Donc, il faut accéder au client final. Il faut que, y compris notre diplomatie, s'y mette, pour que son attraque puisse rentrer jusque vers le client final. Dans la distribution du gaz, mais aussi dans la génération électrique. Et à partir de là, les volumes de gaz qui viennent du Qatar, qui viennent des États-Unis, nous allons les accueillir non pas comme des menaces. Nous allons dire, Mouanendar, on va traverser le miroir. Nous allons accueillir ces volumes de gaz avec les Européens. C'est le seul moyen. Parce que sinon, nous n'avons pas les capacités. De contrer la puissance de feu qatari avec 24 millions de tonnes de capacité de liquéfaction, au moins 77 millions de tonnes, avec 2,7 trillions, 2 700 milliards de mètres cubes de réserve, au moins ils en ont 72. Et demain, l'Iran, nous voyons que le président Biden commence à être beaucoup plus réceptif à l'Iran. Nous n'avons pas les moyens de contrer la puissance de feu aussi américaine. 105 millions de tonnes de capacité de liquéfaction. Donc il faut rentrer. Son attaque doit s'intégrer vers l'aval gazier et la génération électrique en Europe. D'un autre côté, son attaque doit s'orienter pour être le grand leader national dans la transition énergétique. Parce que la véritable force de l'Algérie, la véritable force, c'est son ensoleillement. Son ensoleillement qui est exceptionnel. 3500 heures par an sur 86% du territoire national. 2650 heures le sud et 2650 heures au nord. Pour référence, la France, l'ensoleillement, c'est entre 1100 et 1400 heures par an. Diversifier ses ressources énergétiques. C'est-à-dire que nous devons nous imposer comme un des leaders, et là, c'est pas du... je n'exagère pas. Je suis réaliste en disant que l'Algérie, pour les 20-30 prochaines années, a les moyens de s'imposer comme un leader de la transition énergétique. Vous allez me dire, et la technologie? Eh bien, je vais vous répondre que les leaders technologiques européens sont aujourd'hui en train de tirer la langue. Ils sont en train de souffrir parce que la concurrence asiatique les met en danger pour leur survie. Et donc, nous avons les moyens, nous avons un pouvoir de négociation vis-à-vis des leaders technologiques européens pour pouvoir rentrer dans la transition énergétique par la grande porte, d'autant que nous avons des ressources en silice. Nous pouvons produire du silicium, la matière qui est utilisée pour les cellules photovoltaïques, mais qui est aussi utilisée, qui est à la base de l'industrie électronique, les semi-conducteurs. Nous avons des ressources en lithium, en cobalt, pour produire des batteries lithium-ion. Mais pour cette transition énergétique qui est en train d'être mise en place aujourd'hui, il n'y a que Sonatra qui peut la financer et la prendre en charge de façon effective. Non, Sonatrach dit l'État. Non, Sonatrach doit être le chef d'orchestre. La transition énergétique doit être une ambition industrielle. Sonatrach ne peut pas être fabricant de cellules photovoltaïques. Laissez le privé faire ça. Mais il faut une baguette, il faut un chef d'orchestre pour réussir la transition énergétique. Il faut que ça soit considéré comme dans une vision stratégique d'ensemble. Hein. Sonatrach, l'avantage, c'est qu'elle a une qualité de signature, elle a un partenariat international qui est en train de basculer. D'accord.
les compagnies pétrolières, BP par exemple, hein, va multiplier par 10 ses investissements dans les renouvelables d'ici 2030. Total vise à le top 5, rentrer parmi les 5 premiers producteurs d'énergie renouvelable en 2050. Donc sur la traque, les partenaires Tawaha, ils sont dans cette logique. Donc elle doit, si elle se met dans cette logique, elle aura des facilités. Vous travaillez avec nous dans l'exploration production en Algérie, mais nous allons travailler ensemble dans les renouvelables, par exemple. Alors, les défis d'hier, c'était de poursuivre la production après le départ, bien sûr, des Français et la réappropriation des Algériens de leur richesse en sous-sol avec la nationalisation des hydrocarbures annoncée par le feu Houari Boumedien. C'était un 24 février 1971. Est-ce que le défi aujourd'hui, c'est d'aller vers l'innovation, la technologie, revoir les modèles de management pour être encore davantage compétitif sur les marchés internationaux? C'est ça la plus grande difficulté. Grande question. Le 24 février 1971, c'était une décision d'État, mais je le dis parce que je connais... Vous avez vécu ce moment? Non, je ne l'ai pas vécu, mais je connais beaucoup d'acteurs qui en ont été de collègues. D'ailleurs, je saisis cette occasion, على الحاج محمد فيشكر على نزيم زويوش على سي محمد بغلي qui dirigeait l'Institut algérien du pétrole et d'autres qui ont été les acteurs de ce 24 février 1971. C'était une formidable aventure humaine d'abord, et ce sont des ingénieurs, des cadres, certains étaient au service national Djabou Midjara ou من Chirchel. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain à Haoud Barkawi, ils se sont retrouvés dans le Hassim Saoud, etc. Je profite aussi pour saluer le père des foreurs algériens, Mohamed Brahimi, qui est originaire d'Adrar, qui est notre grand aîné, Betoubou Amro. C'était une aventure humaine. Et aujourd'hui, ça doit rester une aventure humaine, c'est-à-dire que nos enfants, les jeunes qui sont à son attraque, les jeunes, toute l'intelligence algérienne qui doit pouvoir accéder à son attraque et apporter sa contribution, ces jeunes doivent aussi écrire leur histoire. Yani comme leurs aînés de 1954, comme leurs aînés de 1971, ils doivent pouvoir, on doit leur donner l'occasion d'écrire eux aussi leur histoire, de porter la transition énergétique, de porter le renouveau. Yani, aujourd'hui, comment on est en train de vivre notre algérianité? On la vit dans la douleur. On est en train de subir les coups. On est comme un boxeur qui est sur le ring et qui essaye de résister pour ne pas être mis KO, alors que nous devons être offensifs. Et nous pouvons l'être, puisque nous avons pu l'être en 1954, en 1971. Nous pouvons être offensifs. Mais le jour où l'université de l'Arouat sera une université leader mondiale dans le gaz, ou l'université d'Ourgla, d'Adrar, pour le pétrole, d'Adrar, pour le gaz, pour les renouvelables, leader mondial, ce jour-là, la puissance de son attraque sera inatteignable, Yanné. Elle sera forte, elle sera robuste. Alors la puissance de son attraque aussi, c'est sa ressource humaine. Revoir aujourd'hui la politique managériale impérativement, monsieur Mourad. Il faut faire confiance en l'intelligence algérienne. Ils sont en train de partir au Qatar, ils sont en train de partir au Mais bien sûr, quand je vous dis le Qatar, 77 millions de tonnes de capacité de liquéfaction. Dites-moi, qui c'est qui opère les installations qataries? Ce sont des Algériens formés par son attraque. Et ce sont mes collègues, ce ne sont pas des mercenaires, ils sont partis parce qu'on les a méprisés. Ils sont partis parce qu'on leur a, pendant une décennie, on a réduit. La génération Tana, quand on était à son attraque, pour nous c'était un militantisme aussi. C'était un boulot, mais c'était un militantisme, parce que son attraque c'était l'Algérie.
quand on allait à Londres pour négocier et qu'on se retrouvait dans une chambre d'hôtel à 3 avec des frais de mission très faibles et qu'on fixait rendez-vous aux compagnies avec lesquelles on négociait dans les grands hôtels, on prenait le métro et on allait dans les salons, dans les grands hôtels en train de les attendre, alors que nous étions logés dans un petit hôtel. Pour nous, c'était un militantisme. Nous étions fiers de remporter des contrats, nous étions fiers de réussir. Mais ceux qui sont partis au Qatar ne sont pas partis parce qu'ils couraient derrière l'argent. Ils sont partis parce qu'on a dévalorisé son attraque, parce qu'on les a dévalorisés eux-mêmes, parce qu'on, de manière nihiliste, on a voulu faire fuir l'expertise de son attraque. Nous avions un état-major qui était exceptionnel, qui était formé de vieux pétroliers, d'anciens pétroliers, de diplômés des grandes écoles européennes, etc. On a démantelé cet état-major de Sonatra, et le résultat, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. On peut reprendre tout ça, avec toutes ces compétences. On peut reprendre, moi j'y crois. Voilà. Et nous, on y croit aussi avec vous. Monsieur Moladpreur, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci et mes amitiés aux auditeurs qui nous suivent ce matin. Merci beaucoup.